Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Alors on est reparti ici pour du SnowRunner, on continue la suite, donc aujourd'hui ça sera plus de l'exploration ainsi que de la réparation de ponts pour pouvoir continuer dans la quête. Alors, hop, on va continuer. Donc j'espère que vous allez bien. Alors les épisodes sur YouTube continuent à se mettre petit à petit, que ce soit sur les deux chaînes, que ce soit sur la chaîne Tous Ensemble. Et la chaîne Valdibar. Voilà. Alors, oula, il fait nuit. Par contre, on va quand même commencer en journée quand même. Hein. Hop. On va commencer en journée. Au moins, on est tranquille. Bon. Alors, il va falloir qu'on va prendre le. Ça fait quand même depuis jeudi que j'ai pas live. Hein, à savoir que vendredi, j'ai pas live. Parce qu'il faisait chaud. J'avais un mal de crâne. Un très grand mal de crâne. Et c'est vrai que par l'avenir, je sais pas si je vais live le vendredi, donc ça sera, enfin, on va dire les jours où je liverai, ça serait plus du coup le mardi, le jeudi, le mardi, le mercredi et le jeudi, pardon. Voilà. Hop, on fera un main et on va voir ce qu'il faut. Tuyau d'or, ouais, mais ça, je vais, on va le laisser, mais. On va voir. Alors, ah oui, ce que je vais faire, peut-être, c'est quand même mettre quelque chose qui permet de voir un peu la puissance du jeu au cas où, pas que ça fasse des petits bugs. Je vais le mettre là, hop, une petite seconde. Hein. Hop, hop. Voilà, ça, c'est des petits réglages en off. Hein. Je vais plutôt mettre ça par là. Hop, pom. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien. Voilà, bon, alors. Et on va du coup l'accepter. Alors. Récompense. Voulez-vous redémarrer? Non. Alors, il va falloir, donc c'est en boulie. Ce sera dans les tâches alors. Dans les tâches. Alors, le pont en bois. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Le barrage routier. C'est pas celui-là. On a vraiment pas mal de ponts à faire. On en a fait qu'un seul. Donc forcément, alors c'est celui-ci. Alors, bloc, deux blocs de béton. Hop, on va mettre en suivi. Et attends, ici marqué bloc de béton. Et ici poutre en métal. C'est pas très clair, hein. C'est pas très clair du tout. Livré au pont de montagne, poutre en métal. Ah, d'accord, oui, ok. D'abord, c'est ça, d'accord, ok. Je n'avais pas vu, excusez-moi. Donc, les poutres en métal, c'est ici. Ah, ouais, on a du chemin à faire. Hein. Bon, pour le coup, ben, on va prendre le camion. Le camion qui est ici, hein. Donc, on va commencer à mettre les petits points. On va annuler. Voilà. Hop, et on est parti. Et vraiment, pourquoi ça n'a pas tout annulé? Voilà, merci. Bon, c'est peut-être parce que je suis dans le véhicule là, c'est possible. Bon. C'est soit. Ce qui n'est pas grave. Normalement, ça ira plus vite. On a changé de véhicule, de camion. Donc, ça, c'était à l'épisode juste avant. Hop. Et on va se charger ici même. Voilà. Alors. Je vais, c'est d'abord, c'est couper le moteur. Enfin, quoique, je vais même le ramener. Je vais même le ramener. C'est encore quoi la touche? Voilà. Récupérer. Voilà. Et quitter le garage. Bon. Maintenant, c'est rechanger de camion. Changer de camion. Voilà. Et on est parti hein, avec le beau camion. Hein. Le nouveau camion qu'on avait acheté l'autre fois. Qui au moins, lui, il y a des pneus debout. Hein. On avait fait ça en fin de live. Bon, par contre, ça c'est chiant. On va devoir prendre ce point d'abord. Voilà, petite marche arrière. Ça n'annule pas les points d'avant. C'est embêtant. Et on n'a pas les points suivants. Hein. Mais c'est vrai que j'attends quand même grandement les mises à jour hein, de ce jeu et c'est pour ça que j'évite un petit peu trop live aussi. Hein. Parce que bon voilà, j'espère
peut-être avoir une amélioration dans le menu, que ce soit plus clair pour les gens, et puis que le jeu soit plus fluide, parce que ça demande énormément de ressources ce jeu-là. J'ai quand même une 2080 en GeForce, etc., un i9 et tout. Et même avec ça, bon, certes, je fais quand même. Donc, j'enregistre, je le live et je joue. Donc, j'ai quand même trois choses en même temps, mais quand même. Et si je mets le jeu totalement à fond, bah, il y aura des lags pour vous. Enfin, moi, ça va, hein, mais pour vous, il y aura des lags. Donc, j'étais obligé un petit peu de réduire un petit peu la qualité. Bon, ça va, honnêtement, j'ai vraiment baissé un tout petit peu. Hein. Pas grand-chose, mais quand même, quoi. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Bon. Donc oui, hein, je devais live un peu plus tôt. Hein, je suis quand même en retard pratiquement de 30 minutes. Hein, peut-être un peu plus, mais je m'en excuse. Alors, à savoir aussi que on commence à rediscuter avec toute l'équipe. Donc grosso modo, hein, dans l'équipe, on est 6 déjà. Et si vous voulez, si vous êtes intéressé au projet, bah, pourquoi pas de nous contacter. Et en fait, ben voilà, une personne nous a contacté, pardon, et donc on a discuté avec cette personne hier, et cette personne ben, est partant pour la suite de l'aventure, et on verra bien un petit peu. Donc ça, c'est plus pour les sorties, etc. Cette personne habite, en plus, elle habite pas très loin de chez nous, donc voilà. Donc on verra bien par la suite comment ça va se passer tout ça, mais c'est sur la bonne voie. On est en train de préparer aussi les t-shirts, attention. Les t-shirts hein, qui sont aussi entre guillemets en fabrication. Voilà, maintenant il faut voir où c'est avec le corona, hein, c'est plutôt ça. Hein. Parce que ici normalement on avait un festival auquel on aurait dû aller. Hein. Donc ça c'était pour le 27. Le 27 juin. Mais avec le corona, je sais pas si c'est vraiment annulé ou pas. Lui-même il attend des réponses donc. Mais en attendant, voilà, il faut quand même. Essayer de faire les t-shirts quand même, comme ça au moins c'est fait. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a même qui consent quand même un petit peu, hein, mais ça va. Hop. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus il y a les 4 roues motrices. Sur l'autre camion, ben, on l'avait pas justement. Et ça, c'est assez problématique. Hop. On va profiter de faire une petite recharge vite fait. J'ai trouvé la touche. Ah ouais, c'est la R pour klaxonner. Alors. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de boost, hein, mais à choisir, je préfère quand même ce camion-là. Au moins, on sera moins embourbé. Hein. Beaucoup moins embourbé que l'autre camion. Bon, on l'a vendu, hein, de même que le Chevrolet. Le Jeep. Bon, alors, poutre de métal. Au moins, comme ça, on libère les ponts et on pourra facilement aller dans un point A, un point B, sans devoir aller dans des. En faisant tout le tour de la map. Ce qui est parfois un petit peu dommage. C'est aussi une perte de temps. Surtout que, bon, moi, je fais pas de montage pour YouTube, donc. Et aussi, pourquoi je fais aussi 3 fois, voire 4 fois par semaine? Parce que bon, il y en a les autres lives, outre mettre les autres lives donc en préparation, hein. Que ce soit les lives, exemple avec Abdou, Tampon Squat ou le live de Koh-Lanta. Attendez, par contre, on va remettre les points. Je vais continuer après mon explication. Donc, nous on est ici. Alors, effectivement, bah, on va faire marche arrière. Hein. Hop, petite marche arrière. Ah, le petit point. Hop. Alors, c'était où encore? C'était ici. Alors, attendez. On peut, ah ouais, non, on peut pas passer ici, parce que justement ici, on a le pylône électrique hein, qui s'est effondré. Donc on est vraiment obligé de faire tout le tour. Mais on va vraiment s'occuper de ça. On ira au moins plus vite dans l'émission. Si ça va bien mettre le point, ça serait bien. Et après, on passait par ici. Hein. À savoir qu'on galérait justement avec l'ancien camion.
En espérant que ici au moins ce sera bon. Voilà. Et on est donc parti. Alors oui, donc je disais, on a les émissions donc en préparation et c'est pour ça que j'ai moins de temps, que ce soit l'émission T'en penses quoi, l'émission de Koh-Lanta. Donc ça c'est le T'en penses quoi, c'est le samedi. Koh-Lanta c'est le dimanche et l'émission ciné qui est le mardi. Donc c'est tous les 15 jours, c'est le ciné ou quand c'est pas ciné, bah, c'est un film qu'on regarde. Donc voilà, donc un film de tout type, hein, que ce soit documentaire ou autre. Bon, on va pas faire le plein, ça ne sert à rien. Et on est parti. Alors. Faire attention. Cru qu'on a eu un bug de texture. Ce qui est possible, hein. Hop. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident aussi, bon, surtout que on n'a pas encore beaucoup de gens sur le chat. Et aussi pour YouTube, c'est de chercher toujours avoir une petite discussion. Essayer d'avoir le moins de vide possible. Et c'est vrai que ça. En même temps de faire l'émission, c'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'il faut réfléchir pour la mission et en même temps trouver un sujet. Voilà, répondre, etc. Mais ouais, c'est un exercice. Au début, c'est assez compliqué, mais après, on s'y fait. Voilà. Donc oui, hein, avec la personne avec qui on a parlé justement hier, on est en train de voir peut-être pour refaire toute la mise en page de Twitch. Exemple, le live quand il va commencer, etc. Les trucs, les écrans de pause, tous ces trucs-là. Donc après, ça va prendre un peu de temps pour les préparer et tout, hein, ça c'est normal. Mais au moins, voilà, c'est sur la bonne voie. Comme le logo qui a déjà été mis. Hein. Hop. En tout cas, on voit quand même qu'on a changé les pneus. Et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, pour la map, la première map, hein, Michigan. C'est vraiment un très beau jeu. Hein. Attendez. Attendez. Ici, il le marque pas. On est ici. Mais il y a ici une Chevrolet qui est coincée ici. C'est bon à savoir. Il faudra qu'on prenne le Marshall et qu'on aille le débloquer. Hein, pour pouvoir à la limite le revendre. Et pourquoi pas avoir de l'argent en plus. Je sais pas combien j'ai d'argent ici. Bon, c'est pas indiqué. Je vais juste voir. C'est pas vraiment indiqué, mais. C'est pas indiqué du tout. Mais au moins, voilà, ça nous fera de l'argent en plus. Hein, s'il faudra racheter un nouveau camion ou les équipements en plus. Pourquoi pas? C'est vrai que le début, ils l'ont pour avoir l'argent. Mais après, une fois qu'on a tous les camions, qu'on les revend par la suite, ça. Voilà. On perd pas d'argent si on le revend. Donc. On est quand même gagnant-gagnant. Alors, à savoir ici, qu'on avait commencé le jeu avec le camion, on est resté embourbé. Mais voilà, maintenant c'est sec, ça que je comprends pas. À mon avis, il y a bien une évolution sur la carte. Voilà. Hop. Voilà, de même que ici, hein, c'était aussi la grosse galère en patinet. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir un bon camion. Enfin, un camion. Beaucoup mieux que l'autre, du moins. Donc après ça, faudra prendre du métal, enfin du métal, on l'a déjà, du bois. Pour pouvoir faire la suite du pont. C'est en deux parties. Hein. Après, c'est vrai que j'aurais pu prendre une remorque. Bon. Je sais pas si le camion est assez puissant. Hein. J'ai pas envie de rester embourbé ou quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on n'est pas loin. À savoir qu'au début du jeu, ce qu'on est en train de faire ici, parfois ça nous prenait plus d'une heure. Hein. Donc bon, ici on va essayer de passer vers le milieu, on va pas rester embourbé parce que si c'est assez compliqué. Le terrain ici est un peu compliqué aussi, on va voir si on passe.
Avec les plus rares. Quel changement. Quel gros changement. Ça fait vraiment plaisir. Hop. Allez, allez. Petit camion. Voilà. Bon, il voit qu'il a du mal, hein, mais bon. On prend quand même un petit raccourci. Le moment que ça passe. On fait un petit test avec le camion. Même si, voilà, le poids quand même du véhicule est compté. On va céder un petit peu du treuil. Voilà. Impeccable. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller, hein. Faut juste pas s'arrêter. Faut éviter un petit peu le gros caillou qu'il y a devant soi. En espérant quand même qu'il y a des arbres au cas où, hein. Hop, on esquive. Voilà. Mais on va vite fait le niveau 6, hein, si on n'est pas niveau 6, au niveau 4 ou 3. On va regarder ici une fois qu'on est arrivé un petit peu sur le plateau juste devant. On va regarder ici. Hein. On est niveau. C'est marqué. On est niveau 3 seulement, bientôt niveau 4. Donc. Non, mais il faudra être niveau 6 pour vraiment débloquer plein de choses. Enfin, en tout cas, commencer à débloquer des choses. Et rentrer vraiment dans le vif sujet du jeu. Je rappelle qu'il est quand même retiré de la réalité. Oula, 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 oula. C'est vrai que si j'ai pas pensé, si on s'enfonce, on est un petit peu foutu. Il faut pas se retourner non plus. On va essayer de se mettre. Voilà. Ça va, on a géré. Merci les roues, encore une fois. Voilà. Bon, l'essence. Normalement, ça va. Hein. En marchant, on fera le plein. Hein, quoique. Non, on fera le plein parce que le pont il est détruit de l'autre côté. Donc, on sera obligé de refaire demi-tour. Hein. Mais au moins, ça sera vraiment une très bonne chose de fait. Hein. C'est vraiment ça qui nous freine. Auquel on doit passer sur des routes. Des routes de terre. Allez, petit camion. Et on est parti. Donc, n'hésitez pas, on est sur tous les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Facebook, Instagram, Snapchat, pardon, c'est juste Valdibar. Twitter, on est vraiment partout. Hein. Donc, il suffit juste hein, de taper sur. Le chat de Twitch, hein, il y a social, point d'exclamation social, Tipeee Utip. Donc Tipeee Utip, c'est pour nous soutenir voilà, gratuitement si vous n'avez pas de sous. Hein. Et ce qui permettra donc d'aider déjà pour le matériel. Et puis pour l'équipe, hein, pour différents projets hein, en extérieur. Alors. Voilà, donc on va... Décharger. Voilà. Alors maintenant il va falloir le bloc de béton. Donc c'était même pas le bois, c'était le bloc de béton. Bon. Donc, on prend la main. On va regarder bloc de béton. Donc c'est dommage qu'ici on ne sait pas cliquer dessus pour voir où ça se trouve. Donc on est obligé de revenir ici. Le nom s'appelle pont dans la montagne. Pont dans la montagne, tu sais, c'est ici. Et béton. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut seulement savoir. Alors, si on a une route ici. Ok, qui passe par ici, puis par là. On pourrait le prendre en sachant qu'on a quand même un meilleur camion. On pourrait tenter. Hein. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. On va tenter le diable, hein, un petit peu, surtout ici. On va déjà commencer à mettre les points. À savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres hein, à part ici. Hop. Voilà. Alors ici, j'espère que c'est pas trop boueux. Et voilà. Donc ça va, c'est pas trop loin. Maintenant, ça dépend de la route, hein. C'est ça le truc. Ce que je vais peut-être faire, faut pas que, ouais, je vais peut-être faire le plein. On est vraiment à côté. Je vais peut-être faire le plein comme ça, on est vraiment tranquille si on reste embourbé.
On est vraiment à côté, donc ce qui est pas vraiment un souci. Hein. Tout le temps en profiter. Hein. Quoique, il est où encore l'essence? Non, il est ici. N'est pas trop loin. Ça serait quand même dommage de faire appel au Marshall ou quoi et d'être coincé. On va juste prendre 2 petites minutes. Enfin, ou 2 minutes, hein. Plutôt. Voilà. Hop, hop, hop. D'ailleurs, ça t'en est quel jour aujourd'hui? On est mardi? Ah, mais il y a l'émission tout à l'heure. Attends, non, on est lundi. Attendez, je me trompe. On est quel jour? Attendez. On est mardi, oui, mardi, donc il y a bien l'émission. Il y a l'émission, effectivement, tout à l'heure, avec Blaise. Donc, cinéma. Donc, faudra pas que je m'arrête trop tard. Surtout que j'ai commencé un peu en retard. Je suis un peu perdu, moi, avec les jours. Hop. Attention, attention. Alors. On va essayer de s'arrêter vers plus ou moins 19h30, 18h maximum. Voilà, grosso modo. Ce sera pas un énorme live, hein, mais bon. J'aurais préféré live un peu plus tôt, mais je n'ai pas pu, malheureusement. On ne va pas se tromper ici sur la route, hein, qui est un petit peu cachée. Voilà, c'est ici. Effectivement, ça monte bien. Donc, on va voir si ça sera possible. À savoir que, justement, bah, les sapins ne sont pas très résistants. Mais ça a l'air de passer. Hein. Ça a l'air de passer du moment qu'on ne s'arrête pas. Du moment qu'on ne s'arrête pas, ce serait vraiment top, top, top. Si ça ne fait que monter. Voilà. Et ça passe hein, par mon grand étonnement. Les petits camions. Essayer de rester sur la route. Voilà. Donc il y a plusieurs maps hein, sur la carte, plusieurs cartes et plusieurs environnements. Ici, on essaie de faire un maximum ici. Hein, puis on changera sur une autre carte. Et on essaiera de faire à la fin la map d'Alaska. Parce que c'est beaucoup de. Oula oula, beaucoup de glace et de neige. Et pour ça, bah, il faut avoir les pneus neige. Et ça, je trouve ça que c'est un petit peu bizarre. C'est qu'il nous propose en deuxième carte, enfin, un deuxième endroit pour explorer. C'est l'Alaska. Mais il faut les pneus neige. Et les chaînes, hein, pour le coup. Mais ça, c'est bien plus tard dans le jeu qu'on les débloque. Donc, oula. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Bon, par contre. J'ai réfléchi déjà pour repasser par ici, ce qui peut être peut-être compliqué. Alors oui, ici je suis resté plusieurs fois embourbé. Mais ça a l'air d'être sec hein, aujourd'hui, hein, c'est oh, plus ou moins. Ouais, ça passe, ça passe. Impec. On voit qu'on patine quand même. Hein. Maintenant le béton on va être plus lourd, hein, donc faudra faire attention. Faudra faire donc attention à tout ça. Donc oui, pour YouTube, hein, on va essayer de faire des émissions de maximum 1 heure. Enfin, on va essayer du moins. J'ai bien qu'il y a un épisode qui devrait arriver qui fait que 20 minutes. Enfin, j'en suis désolé. Mais c'est le seul, un des seuls. Alors. Voilà, on y arrive. Enfin, on charge donc. Non, c'est pas le béton. Bloc de béton. Voilà, donc il en faut deux. Impeccable. Et on est reparti. On va remettre les petits points. Hop. Petite marche arrière. Et on va essayer de repasser par le même chemin. Hein. Bon, on va remettre les petits points. Comme je disais donc. Hop.
Voilà. Alors, les petits points. On va couper le moteur aussi. Et on est reparti. Donc, par ici. Mais je regarde quand même, je crois qu'on n'a pas d'autre chemin vraiment pour passer, à part vraiment faire le grand tour. J'ai pas envie. À savoir qu'ici on est monté, donc on descend, ça devrait aller beaucoup plus facile. Bon, ici, certes, ça va monter pour le coup. Mais bon, on va essayer. En espérant que ça passera. Et surtout qu'il faudra faire attention parce que le terrain n'est pas plat non plus. Ce point-là, il est mal mis. C'est vraiment pas très instructif, hein, intuitif, pardon, les points. Voilà, bon, on est parti. Voilà. Voilà, si maintenant vous êtes intéressé à rejoindre peut-être le projet ou quoi, bah, n'hésitez pas à nous contacter en message privé, hein, sur les réseaux sociaux ou quoi, et on fera en sorte justement de pouvoir s'organiser ça. Si vous êtes passionné surtout bon, voilà, de la nature, des animaux ou même d'autres choses, hein, et que vous vous êtes intéressé à faire des lives, etc., bah, pourquoi pas pour rejoindre l'équipe. Alors. Pas oublier qu'on est plus lourd, donc on va essayer de passer vraiment sous le côté. Au pire, on a des arbres. Et au pire, on a aussi la AWD, hein, donc ce sont les roues motrices. C'est vrai, ça j'avais déjà oublié. Mais ça consomme plus. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Mais franchement, grâce à ce camion, on avance quand même beaucoup plus vite, hein. Beaucoup plus vite que si on avait quand même l'autre, on aurait déjà été embourbé beaucoup de fois. Et je crois qu'on serait seulement en train de livrer les poutres en méthane. On n'aurait pas fini encore cette mission-là, donc on a quand même un gros changement. Ça avance, ça avance. Alors maintenant, ça commence à être plus étroit ici. Donc, on va commencer un petit peu à réfléchir. Ici, il y aura une marche arrière à faire. Hop, hop, hop. Alors ici ça va commencer à monter, bon on a des arbres donc ça va. Par contre j'essaye quand même. Attendez ce que je vais faire. Voilà, j'ai fait une petite capture d'écran, je sais plus si c'est la bonne touche, je normalement oui. Ça sera pour YouTube. Et moi je vais essayer. Parce que pour le moment oui j'ai mis juste une photo et j'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Mais j'ai dû télécharger un logiciel avec une touche préconfigurée pour pouvoir faire ceci. Donc c'est un petit peu aujourd'hui un live test là-dessus. Bon, on va mettre les 4 roues motrices parce que là ça monte très très fort. Allez, allez. Qu'est-ce qui coince? Non, 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 allez, allez. Bon là, on commence à être embourbé. Faire une petite marche arrière. On va se passer comme ça, on va voir. Hein. Ah, saleté de caillou. Voilà. C'est cette saleté de caillou qui nous crée la misère. C'est bizarre que je l'ai pas vu, un hein, si grand caillou. En plein milieu de la route en plus, donc. Hein. Hop, voilà. Je suis quand même étonné quand même qu'il puisse pas monter et puis on n'avait pas vraiment d'arbres pour vraiment nous aider. Il a du mal, hein. Mais bon. Mais ça passe. Hop. Maintenant, si vous avez des idées de jeux auxquels vous voudrez voir ou quoi, hein. Voilà, me demander ce que j'ai comme jeu. Hein. Faut pas hésiter. Hop, on va couper les roues motrices. Et ici, on va commencer à freiner. On va pas se prendre un caillou ou se retourner bêtement. Ouch. Vous prenez des dégâts comme ici. Voilà. Tiens, l'arbre, il a poussé. On l'avait cassé en passant. Ça veut dire que ça repousse alors. Allez, allez, allez. Et voilà. On
quoi on a quand même été assez vite. Et en plus, on gagne de l'expérience à chaque fois quand on répare un pont, frein à main. Et on décharge. Voilà, de toute beauté. Hein. Et voilà. Mais on gagne quand même 260 expériences plus de l'argent. Donc, ce n'est pas rien. Bon, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même regarder pour le pont ici. Hein. Comme ça, on va réparer tout ça. Tant qu'à faire, on est juste à côté. Attends, on va voir ici. Si c'est déjà là. Donc, barrage routier. Est-ce que c'est ça le nom? Machine manquante, ça n'a rien à voir. Pylône électrique. C'est vrai qu'on pourrait faire le pylône électrique. Qui divise un peu la map en deux. Hein. Donc on pourrait faire ça. Donc je dirais à la limite. Bloc de béton. Ah. Attendez juste. Alors bloc c'est là. Ok. Et les bétons aussi. Si, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. On va faire le pylône. Hein. On va faire cette mission. Donc on va revenir chercher donc du béton. T'en profiter hein. Qu'on ne soit pas loin. Bon, on refait encore une marche arrière. Hein. Bon, c'est pas si grave. On fera ça une fois et au moins comme ça on est tranquille pour la suite. Après c'est un peu le titre. Hein. C'était vraiment exploration et réparation des ponts donc. Voilà. Et on est reparti. Bon, l'essence, normalement, ça devrait y aller. Ça devrait y aller. Et en retour, ben, on chargera. Bon, j'ai l'impression qu'il commence à faire nuit. Ou c'est juste une impression. Quelle heure il est? Ouais, il commence à faire nuit. Il est quelle heure? Il est 18h33. Il commence déjà à faire nuit. Bon. Alors on est parti. S'il veut bien monter, ça serait pas mal. Mais j'avais totalement oublié qu'on était mardi, qu'il y avait l'émission de tout à l'heure. Bon. Donc aujourd'hui, ça sera donc un documentaire. Je ne sais pas encore sur quoi on va regarder. Hein. Donc ça, c'est pour ça qu'il faudra être assez tôt avec Blaise en vocal et choisir un film. Et si possible, un film qui fait un peu débat. Voilà. Fais un peu attention aux cailloux. Surtout ce caillou là qui nous a ennuyé la première fois qu'on est passé par ici. La deuxième fois plutôt. On était chargé. Avec le béton. Ouais, donc ici on va passer ici en pleine nuit quoi. Mission en pleine nuit. Bon. Bah, du moins qu'il ne pleuve pas. Il ne pleut pas, ça va. Hein. Le terrain, on va dire, qui est sec. Donc on reste pas trop embourbé, c'est un peu ça qu'on cherche aussi. Hein. Et je pense que j'ai vraiment perdu beaucoup de temps dans l'émission parce que j'avais pas fait les ponts. Et auquel bah, j'essaie de faire l'émission qui était demandée. Donc toujours, en cherchant toujours une route en parallèle. Mais je pensais qu'avec le temps, l'émission n'aurait imposé de réparer les ponts. Je pensais que c'était pas nous vraiment à aller sur place, mais en fait si. Donc, c'est ici qu'on tourne. Hop, on tombe tout doucement. Un pec. Un pec, deux pecs. Alors. Et d'ailleurs, si vous avez le jeu sur PC, n'hésitez pas aussi à me contacter. Ça peut être bien de faire des games ensemble. Voilà.
Et donc, c'était les blocs de béton. J'espère que je ne me trompe pas là-dessus. Hop. Marche arrière. Et à mon avis, on continuera à faire ça demain. Donc la même chose ici, hein, exploration et réparation des ponts. Parce qu'on a vraiment pris beaucoup, beaucoup de retard face à ça. Donc ici, on va partir par ici, par là. Je vais regarder un petit peu les routes que nous, on devra aller ici. Hein, si je ne me trompe pas, pylône électrique, hein, c'était bien ça, bloc de béton. Est-ce que je passerai par en dessous? Je crois que ça peut être pas mal, mais là ça va être compliqué. Mais je passerai plus par ici alors. Ouais, c'est un peu plus direct, on verra si on passe bien. On va changer de route. Comme ça, au moins, on découvre notre route, on roule sur notre route, du moins. C'est quand même plus agréable aussi pour vous d'avoir des choses autres que toujours la même chose. En espérant qu'ici on va pas rester embourbé. Et on repasse donc par ici. Ici, maintenant, c'est devenu une route assez facile. Hein. Du coup, comme on a les pneus adéquats. Hop. Hop. Et on vient se mettre ici donc. Voilà. Allez, c'est parti. Le frein à main, on l'enlève. Alors, oui, c'est vrai que l'essence, on va pas passer vers l'essence pour le coup. On va voir si ça passe. Hein. Je l'espère, du moins, mais normalement, oui. C'est vrai qu'il faudra que je fasse vraiment attention à l'heure. Hein. J'ai totalement zappé. Hein. Et à mon avis, je crois que je ferai juste le déblocage du pont, pont électrique. C'est bien le pylône électrique, non? J'ai plus le nom. Ouais, pylône électrique effondré. Et après, je m'arrêterai là pour préparer le live de ce soir. Voilà. Bon, par contre, si je fasse partout, ce qui n'est pas une très bonne idée, mais ça passe. Voilà. Même de nuit, hein, il est beau. Hein. C'est vrai qu'après, sur YouTube, ça peut être un peu plus compliqué. Hein. Juste voir, quand même, si dans les paramètres, s'il n'y a pas luminosité un peu plus haute, gamma. Alors, moi, comme ça sera beaucoup mieux pour vous. On va le mettre. À savoir qu'il était là, hein, comme ça au début. Et on va le mettre plus ou moins au milieu. Voilà. Voilà, ce qui est quand même plus clair, surtout pour YouTube, hein, YouTube qui sait savoir que qui mettent les vidéos un peu plus foncées. Donc au moins, c'est bien pour moi, hein, mais c'est mieux, c'est bien pour vous, c'est plus pour vous en fait, hein, que je fais ça. Alors, on est embourbé. Hop, on utilise les 4 roues motrices. Enfin les 4 roues, les 6 roues. Et on voit que ça fonctionne très très bien. Au pire des cas, on a les poteaux. Hein. Électrique hein, pour pouvoir nous aider à monter. Donc voilà, on les enlève hein, pour la consommation du carbubu. Et on est parti. Alors, le point. On a dépassé le point. Mince, on a pris la mauvaise route. Ouch, on a pris vraiment la mauvaise route. Bon, on va devoir passer par ici, mais c'est vraiment très marécageux. J'espère que ça ira, parce que là, pour le coup, on s'est vraiment très très fortement compliqué la tâche. Ou alors on fait demi-tour. Non, on va tenter, tant pis. Tant pis, tant pis. Parce que je suis même pas sûr d'avoir le temps de faire d'apporter le bois. Donc on va tenter par ici. Je me dis quand même, voilà, on a un camion quand même meilleur. Qui est adapté, on va dire, plus à la boue. Donc je me dis que là, on est plus. C'est beaucoup plus possible de pouvoir passer. Hein. On va essayer de ne pas se retourner surtout. On va utiliser 4 roues motrices. Pour le moment ça va, ça passe, ça passe. Hop, ok. Alors là je suis un peu à l'aveugle, hein, mais bon, c'est une route droite hein, grosso modo. Voilà. Ok, bon voilà, on a bien fait de ne pas faire demi-tour finalement.
ça servait un petit peu à rien. Pour le moment, il fait pas totalement nuit. Hein. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé que le mardi, donc, il y aurait eu deux lives. Hein. J'ai pas pensé à ça. Donc, pour bien faire, c'est vrai que peut-être que la semaine prochaine, j'ai plutôt le décaler peut-être lundi. Je fais juste un live peut-être lundi. Et, mardi, il y aura le live du soir. Ce sera peut-être beaucoup plus simple pour moi. J'ai pas réfléchi à ça. J'avais pas du tout réfléchi à ça. Parce que pour le coup, faut que je me dépêche. Oula. Par contre, on a vraiment un gros obstacle devant. On a vraiment pris la route, la mauvaise route. Hein. Mais vraiment. On va essayer d'annuler. Comment je fais pour annuler? Comme ça. Comme ça. Hop. De toute façon, non, en fait, on devait passer par là. Ok, donc on a retrouvé les points. Carburant, bah c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Donc oui, on va essayer de passer le plus possible à gauche. On va dire qu'il est un petit peu plus stable en termes de terrain. Et au pire des cas, on a les poteaux. Pour le moment, ça passe très très bien. Alors, à savoir qu'est-ce qu'on avait, on galère à chaque fois ici hein, avec l'autre camion. Et on voit quand même une grande différence quand même en termes de facilité. Bon, ici on galère un petit peu. On va mettre les 4 roues motrices. Et avec les 4 roues motrices, ça passe! Ah, franchement, ça, on gagne du temps, c'est inimaginable. Voilà, et donc ici, on arrive déjà, déjà au garage. On arrive donc déjà au garage, qui est très bien. On avance vraiment vite, hein. Voilà. Hop. Par contre, j'ai juste testé un truc. Si je peux m'arrêter comme ça. Et passer le temps. Ah oui. Bon, bah écoutez. Voilà, pour YouTube. Voilà. Je pensais qu'il fallait à chaque fois revenir au garage, mais finalement, non. Donc, j'espère que les gammas ne vont pas être trop clairs pour le coup. Bon, je les ai augmentés. Hein. Alors, on se dépêche, on se dépêche. Impeccable. Même s'il est lourd, on passe. Mais c'est vrai qu'il faudra aussi regarder pour les améliorations des moteurs qui se trouvent un petit peu partout. Hein. Et pourquoi pas acheter un moteur pour le camion plus puissant. Et bon, pour ça, il faudra être au moins niveau 6 ou plus. Et voir aussi, hein, la prochaine fois, bah, acheter un autre camion, etc. Avant de se la prendre un autre peu plus cher. Toujours évoluer. Savoir que c'est vraiment un jeu très long et très très compliqué, donc. Voilà, on n'est pas très loin. Et oui, ce camion-là, bah, ce Jeep, il faudra aller le chercher aussi. Pour pouvoir gagner de l'argent. Oui, c'est encore tout droit. Oula, ce que je fais, je regarde le chat et finalement, bah, je fais n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc, ouais, il faudrait que je m'adapte. Hein. Je crois que ouais, ce sera bien lundi que je ferai donc des lives lundi. Pour le jeu, hein. Je parle pour les jeux. De tout type, donc lundi, le mercredi, le jeudi, ouais. Et comme ça je garde le vendredi pour préparer un petit peu toutes les vidéos et les envoyer. Ouais, je ferai ça la prochaine fois, parce que ici voilà, on a vraiment pas le temps vraiment d'avancer. Et voilà, après il faut que je me prépare, etc. pour la prochaine émission. Hop. Voilà. Faire attention. Hop. Alors ici, je sais vraiment pas où je suis. Ah bah voilà, on n'est jamais passé par ici. On est vraiment au pylône. Hein.
Mais j'espère que c'était bien ça qu'il fallait livrer. Hein. Je l'espère, je l'espère. Alors, bon, on va déjà accepter. Gestion. Déchargé, impeccable. Donc, si tu es bien freiné, ça serait bien. Donc, il va falloir maintenant. C'est du métal. On va déjà faire demi-tour. Surtout penser à faire le plein. Finalement, on a eu assez de plein. C'est d'essence, hein. Pouvoir faire la route. Et ça va être vraiment bien une fois que ça sera retiré, hein. Pylône électrique. Alors, donc. C'est où? Pylône électrique effondré. Donc, le métal, c'est ici en haut. Ok, bon, on est parti. Je pense avec le temps qui me reste, je crois que ça sera possible de pouvoir terminer au moins cette mission. Hop. Allez, le petit point, clic droit. Il veut pas se mettre. Voilà. Et on est parti donc. C'est vrai que pour YouTube, hein, vous aurez donc un épisode plus long. Si je calcule bien, bah ouais. Un peu plus long. Parce que j'ai pas en fait, j'ai pas coupé hein, pour avoir, voilà, j'ai évité les 10 minutes seulement d'épisodes, ça aurait été un petit peu bête. Donc au moins comme ça, vous aurez un épisode plus grand et. C'est vrai qu'en temps normal, j'essaie quand même de faire un live quand même de 2 heures. Au moins, ça fera au moins 2 épisodes pour YouTube. Et c'est au moins on avance plus vite aussi dans l'émission. Hop, 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 hop. Ok. Ça passe. Alors. On a 83 litres. Carbubu. Je vais faire le plein de l'essence en revenant. Comme ça. Rien ne changerait en soi. Allez, allez. Ça passe. Bon, on va passer juste à côté pour enlever le point. Voilà. On a assez de carburant de toute façon, c'est pas un souci. Par contre, je trouve ça dommage, c'est qu'il y a quand même la mission à droite hein, qui reste hein, machine manquante. Même si on acceptait pour les pylônes électriques, il y a quand même ça qui reste quoi. C'est ça que je trouve ça dommage aussi. Il y a beaucoup de défauts, je trouve, dans le jeu. Après, le jeu est bien quoi, mais ouais. En termes de guidage, hein, on va dire ça comme ça. Pour se retrouver dans les menus, etc., c'est vraiment assez compliqué. Voilà. Donc j'ai quand même vérifié ce qu'il me faut. Pour pas me tromper. Alors, pylône électrique, donc poutre en métal. Alors, poutre en métal, voilà. Et on est reparti. Marche arrière. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va mettre les petits points. Voilà, on arrête le moteur, les petits points. On passe par ici. Petit tour pour le carbubu. Hop. Attendez, est-ce que c'est bien par ici? Oui. Non, ça va aller vite. Ça va aller vite, ça va. Avec le nouveau camion, ça va aller vite. Et au moins, voilà, ça va vraiment débloquer toute cette partie-là. On sera plus obligé de faire tout le grand tour.
On aura au moins deux axes. Bon, le pont ici est réparé. Faudra préparer le pont ici, le pont là. Il y a un pont ici encore à trouver, peut-être pas. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, y a encore plein de choses à explorer, hein. Des tours de guet, deux tours de guet. Donc, ouais, y a quand même pas mal de choses encore à faire. Sur cette carte, du moins. Voilà. Allez, on est parti. Hop. Bon, j'espère que vous serez quand même quelques personnes quand même à regarder le live de ce soir. J'espère que Blaise n'oublie pas non plus. Hein. Que si moi je suis perturbé, bah peut-être que lui aussi. Parce que voilà, bah, demain, bah, on a rendez-vous voilà, avec toute l'équipe, hein, comme je le disais en début de live. Et j'avais proposé, pourquoi pas, aujourd'hui pour le coup. Et ouais, j'avais totalement zappé. Hein. J'avais totalement zappé live de ce soir. Et heureusement qu'une personne n'était pas disponible ce soir. Sinon, j'aurais dû annuler. Ce qui aurait été quand même fâcheux. Hein. Bon. Alors, je crois que ouais, l'épisode va dépasser un tout petit peu d'une heure, à mon avis. C'est pas, pas si grave. Comme je disais, c'est un petit live, mais voilà, un petit live sympathique. Voilà. J'ai quand même hâte d'être demain et que le corona soit fini quand même. Pour pouvoir vraiment continuer à faire ce qu'on faisait. Qu'on prévoit plusieurs sorties en extérieur, plusieurs vidéos qui vont sortir aussi avec des idées assez spécifiques. Donc. Hop. Donc ici, bon, on est belge, donc principalement ça sera en Belgique. Il y a Abdou hein, aussi que bon. Ça reste à déterminer, hein. Il l'a pas encore dit. Hein. Mais qui pourrait faire des lives en extérieur, hors de la France. Donc vraiment de l'étranger. Hein. Comme ça aussi, on verra comment ça pourrait se passer. Hein. Mais voilà, ce serait vraiment sympa de pouvoir faire découvrir des choses en dehors. Hein. C'est un peu le but, hein, justement, tous ensemble. Donc, de faire découvrir des choses. Bon, en fait, même pas. L'émission, hein. Ça va même pas durer une heure, en fait. Est-ce qu'on arrive déjà? Voilà. Impeccable. Hop. Et enfin le pont. Voilà. Et 200 d'XP. Yeah. On est combien en termes de niveau? Ben, on est niveau 4. Je l'ai même pas vu passer. Hein. On est à 17% de Michigan. Et voilà, encore des véhicules à trouver. Hein, comme je disais. Voilà l'Alaska. Et encore une autre carte, je crois. Bon, on va voir un petit peu. Donc, on a le Michigan, si ça veut bien s'afficher. Ok, l'Alaska. Et ici, normalement, c'est la Russie. C'est la Russie ici, normalement. Et à chaque fois, donc dans cette map-là, bon, il y a 82 missions. Ici, on a 74 et 59. Bon, la dernière est un petit peu moins de missions. Mais bon. Quand même des véhicules à trouver, hein, un peu moins que sur la première map, où il y a plusieurs cartes aussi. Hein. En termes de contrat, ah ben voilà. Conteneur perdu, récompense, les tâches, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Les défis, ça on n'en a pas encore fait non plus. On va voir un petit peu ce que c'est. Les succès, gagner, hein. Cheval boiteux conduisant 1 km avec toutes les roues cassées. D'accord. Problème résolu. Sortir de l'eau avec. De l'eau. Enfin, sortir de l'eau un véhicule avec un moteur cassé à l'aide d'une grue. Ah ouais. Ok, ouais. Effectivement. Et voilà. Donc voilà, on a ça comme argent. C'est comme ça qu'on voit. Ok. On a ça comme argent. Et puis voilà, en faisant l'émission, on gagnera un peu plus d'argent. Distance parcourue. Hein. Je suppose que c'est en kilomètres. Il a fait pas mal de kilomètres en l'air de rien. Et donc les multijoueurs, hein, voilà. Hein, si maintenant vous avez le jeu ou quoi, vous êtes les bienvenus. Par contre, c'est un petit peu dommage. Ce qu'on va faire, quand même, c'est que.
On voit au moins jusqu'ici y activer au moins la mission. Comme ça déjà pour le live de demain. On sera déjà là-bas. Et puis maintenant c'est tout droit donc ça va aller encore un peu vite. Ça ira vite normalement. Voilà. Tant qu'à faire. Hein. Bon, au moins comme ça voilà, vous aurez un pigeon un peu plus long. Donc je rappelle, hein, c'est un épisode toutes les 3 jours sur Valdibar, chaîne YouTube et sur tous ensemble hein, YouTube. C'est là les programmes avec T'en penses quoi, les présentations cinéma et peut-être les autres lives futurs hein, aussi. Hein. Les cinémas et tout ce qui est Koh-Lanta sont on les met pas, hein. On les remet pas. Est-ce que c'est bien par ici? Oui. Voilà. Parce que je dis quand même c'est pas vraiment du contenu à nous. Hein. Bon, certes on donne notre avis. Mais on peut faire quand même le garder pour Twitch. À savoir que les premières émissions de Twitch sont déjà supprimées par Twitch. Twitch. Ouais, Twitch. Parce que ouais, après 2 mois, grosso modo, bah, ça les supprime automatiquement. Donc c'est pour ça comment il y a une petite trace, un petit souvenir. Sur YouTube. Voilà. C'est dommage un petit peu de les perdre. C'est un peu l'histoire un peu de tous ensemble quoi. Qui s'en va et. Voilà. Et si je fais ça, j'aurais vraiment commencé à 15h au moins. J'aurais pu au moins terminer cette mission. J'aurais pu faire au moins cette mission. C'est vrai qu'il faudra livrer aussi cette remorque, une fois que le pont devant sera construit. Donc au moins on va déjà l'accepter pour le live de demain. Voilà. C'est vraiment beaucoup plus rapide, hein, je remarque, sur les routes, comment on va dire, pas les secondaires, mais les routes principales. C'est énormément plus rapide, surtout quand c'est du plat. C'est plus direct. Donc ici, on n'était pas venu hein, ici. Hein. Ou alors peut-être par ici. Hop. On accélère. Allez, allez. Voilà. Alors. On va tourner ici à gauche. Au pire des cas, ouais, le véhicule, je le ramènerai au garage. Au moins, on saura ce qu'il faut ici même. Voilà. Voilà. Alors, bon, on va déjà accepter. Ça c'est chiant ça, on va déjà l'enlever, donc dérocher encore sérieusement, rendez-moi service et allez vous en occuper, d'accord. Bon, il me donne un petit ordre, c'est bien ici, ça par contre machine, attendez, c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'annuler ce truc, je sais même pas où c'est. Alors c'est ici, on va arrêter le suivi, hein, voilà. Puis ça s'appelait comment? Barrage routier. Voilà. Et on va donc 2 pièces de rechange. Et 2 pièces de rechange, c'est où? Ah bah c'est juste ici. Hein. C'est juste ici. Bah écoutez, on fera ça demain. On fera ça demain. Comme ça, j'ai le temps d'envoyer un message par après à Blaise, etc. Donc on aura ce pont ici à réparer. Hein, et ce pont-là. Et puis ce pont ici. Hein. Ah mais là ça vient de la galère en fait. Ouais. Voilà, bon, on va quand même essayer de réparer les ponts. Hein. Donc quand même pas mal de ponts à réparer. Sinon après ouais, on aura fini les ponts. Hein. Donc grosso modo, il y a un pont. Ici, il n'y a pas de pont réparé hein, finalement. Un pont. 2 ponts. Et c'est tout. On a 2 points à réparer, donc ça devra aller vite. Il faudra encore explorer ici la zone.
que je n'ai pas encore fait. Ok. Et oui, la citerne ici est garée. Voilà. Ok, bon, on avance bien quand même, hein. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, bah, merci de nous avoir suivis. Un grand merci à vous. Et on se retrouve donc ce soir. Ce soir pour un film. Et j'ai déjà ramené le véhicule au garage. Comme ça, c'est fait. Récupérer. Voilà. Et comme ça, bon, on se retrouve tout à l'heure, hein, vers 19h si tout va bien. Voilà. Voilà. Donc, je vous dis donc, prenez soin de vous. Hein, bon appétit si vous allez manger. Ciao, ciao! Écran de fin. Ah oui. Hop. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao!